Capucine Anav dévoile des photos de sa Lola aux côtés de Victor, l'heureux papa. Il y aura des moments de doute, beaucoup, trop, de nuits sans sommeil, les couches pleines. Les dents, les fièvres, mais pour l'heure, c'est l'euphorie qui règne dans le cœur de Capucine Anav. Avec 3 petites semaines d'avance mais des années à l'attendre, sa fille Lola est enfin née. Il y a quelques mois, Capucine Anav avait annoncé que son rêve de devenir maman était sur le point de se réaliser. Elle révélait en effet sur les réseaux sociaux être enceinte de son compagnon Victor. L'année 2022 aura sans nul doute été un grand millésime pour la jeune femme, puisque son amoureux lui avait également demandé sa main. Quelque temps avant que le couple n'apprenne que Capucine était enceinte. Pour l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui s'épanouit désormais sur la scène. C'est le moment de prendre une petite pause pour découvrir ce tout nouveau rôle, celui de maman. C'est Paris Match qui a révélé en exclusivité 2 jours après son arrivée, que Lola était née le dimanche 13 novembre. Pendant l'accouchement, la salle d'attente était remplie par tous les membres de notre famille. A révélé la jeune maman bouleversée. Sur Instagram ce 16 novembre, Capucine Anav a officiellement présenté Lola à ses abonnés. En légende, elle a indiqué très émue, « Lola. Le 13 novembre 2022 au soir, notre vie a basculé à tout jamais grâce à une arrivée un peu précipitée de notre princesse. » Capucine Anav a également rendu hommage aux équipes soignantes qui ont su la rassurer. Elle qui avait tant d'angoisse à l'idée d'accoucher. Elle a particulièrement salué son gynécologue qui selon ses dires lui a fait vivre le moment le plus incroyable de sa vie. Capucine Anav s'est dévoilée dans son lit à la clinique. À ses côtés les deux amours de sa vie, Victor et Lola. Emmaillotée dans une couverture rose et confortablement levée dans les bras de sa maman. Une nouvelle aventure commence.